Yo! Attendez, dites-moi si ça s'entend que je suis malade, parce que vraiment, je suis malade. Alors, si je fais ça, vous voyez? Et si je fais... Voilà, et quand je parle aussi, ma voix, elle a un effet de cassé, vous voyez? Yo les gars, comment ça va? C'est Pika! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, enfin pour un nouveau Pika et vous, tout simplement. Hein. La dernière fois, vous étiez péri plus que 150 à cliquer sur j'aime, c'était un truc de fou, les gars. Oubliez pas le petit j'aime, ça fait toujours plaisir, comme d'hab, les mecs. Et c'est parti pour la première question! Enfin, là, ça fait 11. Première question de Zitrox qui nous dit: ma question, tu suces? Ouais, je suce. Des sucettes! Ha! Nous avons Exorgaming qui nous dit: tu as quel âge et comment tu t'appelles? Alors, j'ai 19 ans et je m'appelle Sébastien. Classe comme prénom, classe. Je meurs. De Silvergaming, je veux que tu crèves. T'es sympa, je vais bouffer tes enfants. T'es super gentil en plus, va sans me diser ton cheval. Bonne soirée. Et je m'en bats les couilles, frère. T'as cru que tu es qui? Faut te réagir. Alors là, nous avons plusieurs réponses qui arrivent à chaque fois. C'est pourquoi ce pseudo? Pourquoi t'as pris ce pseudo? Pourquoi ce pseudo? Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce pseudo. Ça, c'est moi. Alors, j'allais à la Japan Expo tranquillement, d'un coup, je tombe sur un stand qui vend des t-shirts. Hop, et qu'est-ce que je vois comme t-shirt? Le t-shirt Pikachu. Hop, je rentre chez moi et tout, et quelques mois plus tard, donc 2 mois, je me dis, tiens, faudrait que je pense à faire des vidéos un peu plus sérieuses sur ma chaîne YouTube. Et donc, je me suis cherché un pseudo. Et d'un coup, je portais donc ce t-shirt que j'avais donc acheté. Et d'un coup, je fais... Oh, Pikachu, Pikachu! Mais sauf que je n'avais pas le logo. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai scanné le logo dans mon imprimante et ensuite je l'ai mis sur Photoshop. Et donc voilà comment est né mon pseudo et mon logo finalement. Il y a de la recherche, il y a de la recherche. Oh oui! Un commentaire de la part de Tutoman qui nous dit: ceci est une question. Ah ben ceci est ma réponse. Maintenant une question de Fidolitod. Combien de temps prends-tu environ pour un montage d'une vidéo de 4 minutes? Alors franchement, ça dépend. Toi tu restes ici. Franchement, ça dépend. Si c'est une vidéo vite fait, que voilà, je la fais vite fait, j'en ai vraiment pour 10 minutes, 20 minutes à tout casser. Par contre, si c'est pour un épisode de Jean-Michou, là ça peut partir sur au moins 2 jours pour que je trouve les gens qui font les voix, pour monter tout ça sur GTA, Rockstar Editor, puis Photoshop et tout, c'est le bordel. Mais voilà, environ, ça va souvent rapide et souvent c'est très très long pour les plus grosses vidéos, plus détaillées. Le commentaire de Pascal Barbieux. Chante-nous le générique de Pokémon. Eh, ça va pas ou quoi? J'ai une réputation, moi, je pèse dans le game sur YouTube, tu vois, donc je peux pas me permettre de... Voilà quoi, tu as compris. Je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ne fais tout pour être meilleur et gagner mes défis. Oh, je connais que ça en fait. Le commentaire de White Titan YT. Donc, salut Pika. Question pour ton prochain Pika et vous. Est-ce que tes clips GTA sont sur PS3 ou Xbox 360? Merci, super vidéo. Donc, merci à toi. Et ce sont sur PC. Le commentaire de Monsieur Tiger, bonne vidéo. T'as une copine et combien tu es payé? Enfin, smiley est bizarre là, je sais pas quoi. Alors oui, j'ai une copine et à mon avis, combien je suis surpayé? Tu veux parler sûrement de YouTube, donc. Oh. Yeah. Depuis que je suis sur YouTube, je fais de la YouTube money. Je pèse en game, je nique les autres YouTubeurs. Je suis plus connu sur YouTube. En game, c'est mon game. Oh, depuis que je suis sur YouTube, j'ai gagné que 4$. Un message de Zachille: pour quand un setup? Donc un setup, je ne sais pas. Si vous voulez tant que je fasse un setup, peut-être que je ferai un setup. Mais sinon, je ne sais pas quand je ferai un setup. Voilà. Un message de The Pac-Man: bonjour, bonsoir, au revoir. Et mon cul, tu veux le voir? Aïe. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo de ce Pika et vous. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à prochaine pour une prochaine vidéo. Peace. Posez-moi des questions dans les commentaires. Hein, et peut-être que vous passerez dans le prochain Pika et vous.